What's up mes ballers, les ballerettes, coach Max avec vous pour le Scorpion Academy épisode 2. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va parler de ball handling, donc les dribblers de ce monde. Cette émission-là, ce show-là va être pour vous. Donc on va parler de euh, comment se préparer pour, euh, pour, pour les matchs aussi de fait et quoi faire pour être un bon dribbleur. Okay? Donc euh, oui, il y en a qui aiment ça être des Kyrie Irving ou des Steph Curry. Je ne suis pas très partant pour, euh, pour James Harden, mais honnêtement. Euh, on va euh, voir comment être efficace. Hein? efficace, rapide et décisif. Okay? Parce que quand on prend une décision, on la fait, il ne faut pas hésiter parce que justement, côté mental, ça va nous causer des problèmes. On risque de perdre le ballon, on risque de causer des revirements, Je cherche le mot en français, on risque de causer des revirements. Et euh, bon, hein, ça va justement faire en sorte qu'on va se remettre en question, on va douter de nous, on va moins aimer ça. Donc, ce qui est important, c'est de savoir comment faire les workouts et justement l'aspect mental pour s'approcher. L'approche pour le workout qui va faire en sorte qu'on va devenir des meilleurs ball handlers. OK? Donc, il y a plein de choses. Comme je vous ai dit pendant la première vidéo, la première vidéo, c'était l'introduction. On a brisé la glace. On va y aller un petit peu plus vite. Mais on ne saute pas d'étape. Donc, si vous avez besoin de vos notes, moi j'ai les miennes. Si vous avez besoin de votre popcorn, allez chercher. N'oubliez pas de vous inscrire sur la page. Mettre les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis moi, ben, ça va simplement me motiver à vous en faire d'autres. So, vous êtes prêts Let's go, Let's go. You should always say... On est de retour, nous sommes de retour dans le Scorpion Academy et on va parler de dribbler le ballon, ball handlers. Hein? Donc, guys, c'est pas un show comme je vous dis. C'est vrai que c'est nice de voir Steph Curry. C'est vrai que c'est nice de voir Kyrie. Pour ceux qui aiment James Harden aussi, c'est nice. Mais il faut pas oublier, guys, c'est un sport d'équipe. Il faut passer la balle. La balle doit circuler le plus souvent possible. Ok. Donc, comme j'ai dit on dribble c'est parce que on veut être efficace on veut être rapide hein? on veut être décisif hein? et puis il faut que ce soit des moves des, des mouvements secs ok donc l'hésitation quand je dis hésitation je parle plus euh, mentalement parlant l'hésitation va faire en sorte que on va perdre le ballon par nous mêmes ou on va se le faire voler parce qu'on n'est pas confiant de notre dribble donc il faut être confiant hein? c'est super important super 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 important et pour l'approche d'un match, guys. Donc, ce qu'il faut toujours, toujours, toujours se garder en tête. Vous voulez des, 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 des ball handlers, des dribbleurs de ballon. Ce qu'il ne faut jamais oublier, règle numéro un, ne jamais sous-estimer son adversaire. La personne qui est devant vous est une personne qui a faim, qui a besoin de se prouver et qui veut, et qui veut aussi prouver qu'il est meilleur que vous. Okay, donc il va tout faire. Il va jouer fort en, re en respectant les règles, bien sûr. Donc okay, ça va jouer physique. Vous devez être prêt pour ça. Mettez-vous pas dans la tête que juste en le voyant, hey, Tu t'as-tu vu ses shoes, mais hey, t'as-tu vu la couleur de ses shorts t'as-tu vu sa coupe de cheveux Il a pas l'air d'un gars de basket. Non. Jamais, 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 guys. Il faut jamais se mettre ça en tête. faut toujours prendre chaque personne au sérieux, garçon comme fille. Il faut tous les prendre au sérieux. Là, vous allez me dire, ben là, en faisant, on se met de la pression. Non, c'est pas de la pression. La nervosité, c'est bon parce qu'on a hâte de jouer, on a hâte de prouver qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais il faut simplement se mettre une alerte pour dire, hey, c'est le temps d'être sérieux, puis c'est maintenant et c'est tout de suite. C'est pas arriver au troisième quart, au quatrième quart pour dire, ok, le gars, m'a volé le ballon quatre fois, je me mets là, ok, là, je me mets en mode sérieux. Ça se peut qu'il soit trop tard parce que lui, sa confiance est déjà là. Euh, aux étoiles. Là. Il est super confiant. Il vous a volé le ballon 3-4 fois. Il vous a empêché de scorer durant le match. Ça se peut même qu'il vous a bloqué aussi. Donc là, là, il est confiant. Puis là, vous vous devez, vous, vous devez vous booster de confiance là tout de suite. Pour faire une différence. Possiblement qu'il soit trop tard. Donc, il faut se mettre ça en tête tout de suite. Avant même que le match commence. Regardez-le même pas. Ça ne sert à rien de le regarder. Vous devez simplement vous mettre dans la tête que c'est le temps. Là. OK, let's go. Vous vous réchauffez, vous vous préparez. Mentalement parlant, ça va simplement vous mettre dans une zone tout de suite. OK, donc on ne sous-estime personne sur le terrain. Personne, personne, personne. Deuxième, c'est que si vous voulez être, deuxième point, si vous voulez être des, 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 des monteurs de balles, des point-guards, donc ce qu'il faut éliminer... Euh, de, de, de notre tête, de notre esprit, guys, c'est la peur, l'hésitation, hein, la crainte. Il faut éliminer ça le plus possible. Si vous êtes quelqu'un qui, 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 qui est craintif, qui est hésitant, que vous doutez de vous, vous n'êtes pas certain, ça va jouer contre vous. Vous allez perdre le ballon encore une fois par vous-même ou vous allez vous le faire voler. Okay? Donc, pour être mentalement prêt, qu'est-ce qu'il faut faire, guys? Qu'est-ce qu'il faut faire? Training, les workouts. Donc, c'est important de bien s'entraîner parce que si jamais vous êtes quelqu'un comme ça, mais vous voulez absolument être quelqu'un qui monte le ballon, il faut trouver un moyen pour éliminer cette peur, cette hésitation-là, cette crainte. Donc, l'entraînement, les workouts vont faire en sorte que ça va vous aider, OK? Ça va vous donner un boost de confiance. Et pour booster notre confiance, qu'est-ce qu'on fait? On dribble le ballon. Moi, quand je fais... Des, 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 des pratiques pour moi-même. Pour moi, je prends 30, même 45 minutes à dribbler le ballon. Pas de lay-up pas de shot. C'est simplement dribbler le ballon. Puis si vous regardez sous la vidéo, il n'y a rien de spectaculaire dans qu ce que je fais. Il n'y a rien de wow, là, comme si il ah, n'y okay, a rien fait de spécial, whatever. C'est de la mécanique, c'est de la technique. Comme ça, je n'ai pas à y penser durant un match. Je n'ai pas à réfléchir à me dire que okay, là, je dois passer le ballon entre mes jambes. c'est plus le temps de faire ça. Maintenant, c'est de l'exécution. Et puis pour exécuter, mais avec les trainings, ça va simplement faire en sorte que ça va vous aider à avoir cette confiance-là pour dire, Regarde, je dois aller à gauche, papa, je vais à gauche, je suis à gauche, let's go, on y va. Pour ça, les petits trucs que j'ai pour vous, pour les workouts, hein, là, c'est le temps de sortir son calepin ou sinon de bien porter attention à qu ce que je dis. On peut dribbler de façon stationnaire, ok? Quand on dribble de façon stationnaire, c'est qu'on est sur place, on dribble, et... On fait plusieurs mouvements. Hein? Between the legs, behind the back, front back, in and out. Il n'y a pas de problème. On les fait. Ça vous permet de faire un, un, un réchauffement. On se réchauffe de cette façon-là. On se réchauffe. Okay? Une fois que là, vous vous sentez confortable, vous vous sentez à l'aise, mais là, c'est là que le workout devient sérieux. Première chose, on marche. Après ça, on jog. Et après ça, on court. Donc, je répète, marcher, jogger, courir. Pourquoi? Parce que dans une game, mais c'est les trois choses qu'on va faire le plus souvent. Hein? Marcher, jogger, courir. Donc, vous faites des allers-retours. Moi, je fais deux allers-retours main gauche parce que je suis droitier. Je pratique ma main gauche. Je fais deux allers-retours main gauche, courir, jogger, marcher. Et puis, je fais, je fais des, un aller-retour main droite. Puis après ça, incorporer des mouvements. Ça veut dire, Between the legs, droite-gauche, behind the back, droite-gauche, gauche-droite, comme vous voulez, en avant, des in and out. Incorporer des mouvements. Quand vous commencez à faire votre jogger, votre marcher et courir, c'est le temps d'incorporer des mouvements. Pourquoi C'est ça qui va améliorer votre mécanique okay? dans, votre, euh, dans votre workout pour déribler le ballon. C'est ça qui est important. Puis plus vous le faites plus souvent, plus justement, Mentalement parlant, votre confiance envers votre talent pour dribbler le ballon va augmenter. Vous allez avoir même moins peur de perdre le ballon. Vous allez être plus en confiance avec votre dribble. Là, vous le savez que vous ne pouvez pas le perdre le ballon. Vous savez que euh, personne ne peut venir puis vous le volez. Okay? Et la deuxième chose, quand vous faites votre marché, jogger, courir, Mettez-vous en mode match, mettez dans, dans votre tête que vous êtes dans un match, mettez-vous en tête que vous êtes dans un match, c'est super important, et mettez-vous en tête que devant vous, là, ben, le défenseur fatigant là, que vous trouvez fatigant, là, qui, qui bouge bien ses jambes, puis qui bouge bien ses mains, qui vous empêche de faire des mouvements, mais... Mettez-le là, c'est le temps de le visualiser devant vous pendant que vous marchez, joggez, courez. Visualisez le défenseur le plus fatigant, là. un bon défenseur là, qui, est dans l... qui est dans son art. Mais mettez-vous en tête qui est devant vous. Mettez-vous en tête qui est devant vous. Et puis là, faites des mouvements rapides, secs, décisifs, soit pour justement faire en sorte que vous allez augmenter votre confiance. Vous allez perdre le ballon, ça va arriver, ça fait partie de la pratique. On est là pour s'améliorer, guys. Ok Si vous avez un, 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 un collègue, ben un collègue, je dis collègue, un, un, un joueur avec vous de votre équipe, hein? si, si, si vous avez un teammate avec vous que vous savez que lui aussi là il veut s'améliorer, mais ben appelez-le, allez sur le parc avec lui, puis faites ces drills là comme des un contre un, comme ça. Lui va vous faire de la pression, vous lui faites de la pression. Comme ça, vous allez améliorer votre dribble. Et vous habituez justement à avoir des mains qui essayent de vous voler la balle, guys. C'est super important, ça aussi. Alright? So, gardez ça en tête. Parce que ça va, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. So, guys, j'espère que ça vous a bien aidé. Ça vous a donné des bons petits tips. Donc, rapidement, comme je vous ai dit, vous pouvez à dribbler de façon stationnaire pour vous réchauffer avec un ou deux ballons, ça ne dérange pas, il n'y a aucun problème, c'est à votre aise. Euh, et puis après, une fois qu'on a fini de faire ça et qu'on est confortable, on marche, on jog, on court, et au fur et à mesure, on va incorporer des mouvements, les between the legs, les behind the back, les in and out, en faisant des allers-retours. Si vous avez un terrain au complet, prenez le terrain autant au complet, ça va simplement vous mettre en simulation de match quand vous montez le ballon. Si vous avez un coéquipier avec vous, ou que vous connaissez qui qui veut devenir meilleur, qui veut s'améliorer aussi, ben prenez son numéro de téléphone, prenez son Instagram, son Facebook, son email, écrivez-vous, rencontrez-vous sur un terrain de basket et pratiquez ces mouvements-là de la façon que je vous l'ai dit. Je vous garantis que vous allez avoir des résultats. Mais il faut le faire. Okay, Ce n'est pas juste une fois dans, dans la semaine. Là. Gardez un rythme, soyez disciplinés, guys. Vous allez avoir des résultats. Ça, je vous le promets. Entre-temps, hein? On met son like, notification, on s'inscrit. Comme ça, on va être avisé pour la prochaine vidéo. Euh, J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai aimé ça aussi. Je me suis bien amusé. À la prochaine fois pour l'épisode 3. Salut.